matériel, nous aurons besoin d'un crochet de 4 mm, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et des fils. On va mélanger. On va commencer par le blanc. On va faire un nœud comme ceci. Puis on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va laisser la première maille et on va venir faire une maille serrée. Dans la deuxième, 1, 2, 3, 4 et 14. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait toujours nos mailles serrées, comme ceci. Deux, trois, quatre, cinq, six, treize et quatorze. Une maille en l'air et on tourne. On recommence. On va faire des mailles serrées comme ça. On va faire des va-et-vient avec des mailles serrées à chaque fois. On va faire comme ça jusqu'à atteindre une certaine hauteur avec le fil blanc, puis on revient le changer. On se retrouve juste après. Nous sommes à notre dixième ligne et notre septième maille est serrée. Ça nous fait 7. On va changer de fil. On va prendre celui-ci. Nous sommes au milieu. Voilà, on va continuer avec le rouge. On va cacher les fils là à la fin. Une maille en l'air et on tourne. On va faire le même nombre qu'on a fait avec le fil blanc. Et puis on va changer les autres fils de la même manière. On se retrouve juste après. On fait notre dernière maille serrée avec le fil rouge. Une maille en l'air. Et puis on va couper le fil. On coupe le fil. Maintenant, on va utiliser le fil bleu.
On va commencer ici. Une maille en l'air et on tourne le travail. Essayer de tricoter le fil à l'intérieur. On fait une maille serrée. Et on va faire des mailles serrées tout le long. On va travailler avec le bleu, c'est comme on a travaillé avec le blanc ici en bas. 6 et 7. Maintenant, on va changer de fil. Nous sommes à la 10e ligne et on change de fil. On va prendre le rouge et on va continuer avec. Maille en l'air et on tourne. On coupe ceci. Nous revoici. On a terminé de tricoter. Voilà. Et il fait environ 44 cm de longueur. Maintenant, on va le plier comme ceci. Comme ceci. Et on va coudre les extrémités. Voilà, on va attacher tous les fils et puis on va les couper. Voilà ce que notre bandeau nous donne pour une petite fille. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, à partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!